Bonjour. Voilà pour la dernière émission euh, Michel mitty de la saison. Je vais prendre un peu de repos et puis je vais euh, travailler à fond sur un bouquin qui est en retard seulement depuis deux ans. Voilà, euh, vous moquez pas s'il vous plaît de mes lunettes rouges. Je fais partie de l'espèce de gens qui euh, perdent leurs lunettes dix fois par jour, mais là, elles se cachent depuis deux jours. Donc, c'est des lunettes de remplacement. L'idée aujourd'hui, en appelant ça des bouquins pour votre été, en fait, je réponds à une demande que pas mal de gens voient. Qu'est-ce que vous conseillez de lire Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui paraissent que la vie est si courte que autant bien choisir. Donc aujourd'hui, on va analyser une série de bouquins qui sont récents ou plus ou moins récents. Je ferai un petit commentaire, ce sera mes suggestions du moment pour l'été. On va aussi euh, regarder parmi les livres d'investigation, parce que ce n'est pas parce qu'ils sont annoncés sur un site que vous savez forcément ce qu'ils ont dans le ventre et que vous pouvez vous faire une idée, est-ce que c'est le bouquin qui me convient On n'a pas le temps de tout lire, donc je les présenterai un petit peu pour dire à quelle question, à quel besoin ils répondent. Et puis, euh, si on a le temps, je répondrai aussi à vos questions. Par exemple, si vous avez un thème, euh, un pays, une période qui vous intéresse et que vous vous demandez qu'est-ce qu'il faut lire là-dessus, plutôt que d'aller au hasard dans une librairie, s'il y a moyen, on essaiera de vous donner des conseils. Alors, avant de venir à ça, je dois euh, faire une petite euh, pause, une petite insertion. Avec Mohamed Hassan, la semaine passée, on a analysé le danger d'une guerre déclenchée par les USA contre l'Iran. Et en fait, euh, on a eu cette semaine, euh, un, le cœur pétrolier de la planète connaît une nouvelle alerte. Et deux tankers ont été attaqués en mer de oman, donc pas loin de l'iran. et trump et d'autres ont fait toute une série de tam-tam là-dessus en disant que c'était intolérable, l'iran qui commence à attaquer des tankers, des navires pétroliers, etc. c'est pas possible. et là, euh, attention aux provocations, attentats à ce qu'on appelle les attentats false flag, les attentats sous faux drapeaux. Je sais bien qu'avec la mode complotiste, on a souvent cette euh, euh, tendance à voir des complots partout. Il ne faut pas exagérer, mais il ne faut pas non plus euh, se dire que les choses sont toujours comme on nous les présente. Et parmi euh, le réseau des gens qui nous informent sur ces questions, il y a un général français à la retraite qui a diffusé un petit témoignage personnel récemment. Je lis deux trois passages. Il se trouve que je connais bien toutes les parties en cause pour les avoir côtoyées et même fréquentées durant de longues périodes. Et il parle des États-Unis, Grande-Bretagne, France, Israël, Émirats et Iran. Pour moi, dit ce général, il ne fait aucun doute, je dis bien, aucun doute que le Mossad, service secret israélien, est directement impliqué dans l'affaire, avec ou sans l'aide de la CIA. Il est actuellement vital pour Israël de se débarrasser du régime des mollahs en Iran. Et de se débarrasser de tous les régimes ennemis, Syrie, Irak, Yémen. Y a-t-il eu, disent-ils, un précédent israélien incontestable dans le terrorisme international sous faux drapeau ou dans le terrorisme international tout court Réponse oui, parce qu'évidemment Israël va dire nous on ne fait pas ces choses-là, mais il y a des précédents. Ils ont attaqué un bateau des États-Unis, oui, un bateau, le USS Liberty, le 8 juin 1967. 34 marins des États-Unis ont perdu la vie, et le but était de faire croire que c'était l'Égypte qui avait attaqué les États-Unis pour provoquer les États-Unis à attaquer l'Égypte aussi dans cette guerre. Alors les Israéliens ont été pris la main dans le sac cette fois-là, et ils se sont excusés. Ils ont prétexté une erreur. Bien, le secrétaire à la guerre de l'époque, McNamara, a déclaré, parce que l'amiral U.S. qui avait eu ses soldats tués voulait réagir et voulait protester contre Israël, et McNamara a déclaré, le président Johnson. Ne va quand même pas déclencher une guerre ou embarrasser un allié des Américains, Sikh, pour quelques marins. Donc voilà le cynisme. Il y a eu euh, l'attentat euh, des euh, services terroristes israéliens, des mouvements terroristes contre l'hôtel King David, le 22 juillet 1946. 91 morts, 46 blessés, surtout britanniques. Ça, euh, la semaine passée, Thomas Suarez en a parlé. Il y a eu l'assassinat de l'envoyé spécial de l'ONU Bernadotte en 48, donc il y a des précédents. Et ce qui est incompréhensible, c'est que aucun média n'envisage parmi les suspects le suspect numéro un. On n'a pas la vérité sur toute cette affaire, pardon, mais aucun média n'envisage le suspect numéro un, Israël. Bien. Alors à propos de ça, je dois faire aussi une petite, un petit acte de contrition. Euh, Mohamed a aussi mentionné que la CIA aurait présenté ses excuses à Ben Laden en disant qu'ils n'étaient pas responsables pour le 11 septembre. Évidemment, ça vient d'un site parodique, donc là, voilà, ça montre que euh, tout le monde doit euh, exercer sa vigilance par rapport à ça. Moi, je j'ai pas réagi dans, dans l'émission. Euh, voilà, ça confirme que ceci dit, bon. Il euh, y a beaucoup de questions sur Ben Laden et l'histoire du 11 septembre. Je ne suis pas d'accord avec les théories de Messan, mais il euh, y a des questions euh, qui n'ont pas été euh, élucidées, euh, bien entendu, dans cette affaire-là. Et euh, l'histoire de Ben Laden, moi, je vais juste rappeler une chose qui est incontestable, c'est que quand Bush a dit on va attaquer l'Iran, euh, les Afghans, les talibans, on dit, ben, on veut bien vous livrer Ben Laden pour le faire juger à une justice internationale. Et Bush a dit, non, non, pas question, on ne veut pas Ben Laden, on va vous attaquer quand même. Ça pose beaucoup de questions sur quel était le véritable objectif de Bush dans cette guerre et euh, le véritable rôle de Ben Laden aussi dans les attentats. Alors, venons-en au bouquin. Je crois que c'est important parce que on dit, oui, les gens lisent moins, c'est fini, c'est foutu. Euh, je crois qu'il faut bien se rendre compte du rôle indispensable de, des livres, de la lecture en général, mais surtout des livres, parce que, bon, on ne va pas cracher sur Facebook et sur Google, on les utilise, c'est important pour essayer de se faire connaître, jusqu'à ce qu'on censure, mais en fait, quand vous êtes sur Facebook ou sur Internet, toutes les 9 secondes à ton calculé, vous êtes sollicité par une image, à gauche ou à droite, par autre chose, et ça ne donne pas le, les conditions pour étudier les causes. Quand on veut approfondir un sujet, quand on veut étudier les causes, il faut prendre son temps, il faut être bien concentré sur une chose, il ne faut pas avoir l'esprit dispersé par toutes sortes de pop-up et de trucs. Euh, YouTube pense que ceci pourrait vous intéresser, blablabla. Parce que tous ces gens, en fait, c'est un piège. Ils sont là pour vous vendre des choses, et donc ils sont là pour jouer sur vos émotions et à partir de vos émotions, rendre vos cerveaux disponibles pour aller acheter des trucs ou acheter leur publicité. Et donc, ça, c'est le contraire de la réflexion sur les causes. Et c'est pour ça que je crois que les bouquins sont absolument indispensables. Voilà. Euh, si vous avez des questions sur tel ou tel sujet, pays, etc., j'essaierai de voir et de, euh, de regarder. Je vais prendre une petite feuille et noter, parce qu'il y a une question à laquelle je ne répondrai pas tout de suite, mais euh, plus tard, oui. Alors, euh, dans les choses que j'ai lues tout récemment, bon, ne pas prendre les toutes dernières choses, mais je vais commencer, ça va commencer de façon bizarre, par le prix Goncourt de 1917. L'ordre du jour de Eric Vuillard. Alors, pourquoi c'est bizarre Parce que je déteste les prix Goncourt. Je trouve que l'idée de faire des prix pour des livres, c'est euh, pas sérieux. Euh, c'est pas une compétition et, et une course. C'est un peu toute la marchandisation. Ça sert à faire beaucoup d'argent. Mais je vais faire une exception pour Eric Vuillard, l'ordre du jour. Euh, acte sud. C'est vraiment génial parce que ça décrit une réunion de 1933 où les grands industriels allemands décident de soutenir Hitler. Et puis, ça décrit l'évolution jusqu'à 1938, la guerre, etc. Donc, toute la participation des plus grands capitalistes allemands derrière Hitler. Et on se met dans la peau de certains de ces grands patrons. Et donc, c'est de la fiction et pas tout à fait de la fiction, c'est-à-dire que c'est romancé. Il n'était pas là forcément dans les réunions, mais il se base sur énormément de documents historiques. Donc, c'est euh, une fiction très très proche de la réalité. Et c'est vachement intéressant parce que, je vais lire une ou deux euh, citations, euh, si je les retrouve, il y en a une voilà, qui, me, qui me frappe euh, beaucoup. En fait, c'est une citation de Gramsci. Le théoricien marxiste italien des années 20-30, et que Villard cite dans la bouche de quelqu'un euh, Quand tu discutes avec un adversaire, essaye de te glisser dans sa peau. Ça, effectivement, je crois que c'est vraiment une bonne manière pour euh, comprendre un enjeu, comprendre un conflit, c'est justement se mettre dans la peau de, cette, euh, de nos ennemis, euh, aussi salauds soient-ils. Alors, vous allez me dire, c'est de l'histoire ancienne, et euh, pff, pourquoi revenir sur un truc des années 30 Ce n'est pas de l'histoire ancienne. En réalité, les grands patrons allemands dont on parle là, ils existent toujours, et c'est eux qui nous vendent nos bagnoles, nos machines à laver, euh, nos produits chimiques, et c'est les mêmes, c'est les mêmes qui ont soutenu Hitler. Euh, et à, dans une des dernières pages il dit il se met dans la peau du vieux Gustave Krupp le grand patron de, de l'acier et de la métallurgie allemande des dizaines de milliers de cadavres surgissent lentement de l'ombre des travailleurs forcés ceux que la SS lui avait fournis pour ses usines il sortait du néant pendant des années Krupp D'autres grands patrons allemands avaient loué des déportés à Buchenwald, à Flossenburg, à Ravensbrück, à Sachsenhausen, à Auschwitz et à bien d'autres camps. Krupp ne fut pas le seul à louer de tels services. Ses comparses de la réunion du 20 février, bien décrite dans le roman, avaient aussi en profitèrent aussi. Bayer prit de la main-d'œuvre à Mauthausen. BMW à Dachau, Papenburg etc. et à Buchenwald. Daimler à Mercedes, à Schirmeck. IG Farben à Dora Mittelbos, Buchenwald, Ravensbrück, Dachau, Mauthausen. Et exploita une usine gigantesque dans le camp d'Auschwitz. ACFA recrutait à Dachau. Shell, oui, la firme allemande qui avait des usines en, en Allemagne. À Nungam, Schneider, Telefunken, Siemens. Toute la liste précise est là. Sur un arrivage de 600 déportés en 1943 aux usines Krupp, il n'en restait un an plus tard que 20. 20 sur 600. On était réveillés à 4 heures du matin, flanqués des gardes de SS, on était battus, torturés. Et il décrit les conditions de travail et il dit Ne croyons pas que tout ça appartienne à un lointain passé. Ces noms existent encore leurs fortunes sont immenses. Et sur le site du groupe ThyssenKrupp, vous savez, avec notamment les ascenseurs, etc., les escalators, euh, Gustav Krupp est devenu membre du parti nazi seulement en 1940. Il l'a soutenu bien avant. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les années 50, des juifs de Brooklyn aux États-Unis ont demandé réparation. Et ils ont dit, voilà, vous nous avez exploités dans les camps nazis, payez des dommages. Alors c'est marrant parce que Gustav Krupp avait offert des sommes astronomiques aux dirigeants nazis pour favoriser la montée d'Hitler, pour ses intérêts, contre les syndicats, contre la classe ouvrière. Mais là... Lui et son fils, quand les juifs sont venus demander des réclamations, là, il n'y avait plus d'argent. Et pourtant, Alfred Krupp est devenu un des hommes les plus puissants du marché commun, le roi du charbon et de, de l'acier, un des hommes derrière l'Union européenne. Et alors, on est quand même arrivé, il y a eu des négociations avec les avocats du regroupement des, des portés juifs. Et chaque fois, il y avait des remarques antisémites qui florissaient dans la bouche de la famille Krupp. Finalement, ils ont quand même été d'accord de verser à chaque rescapé des camps, les de rescapés, 1250 dollars. Ce n'est pas grand-chose par rapport à toutes les souffrances subies, mais enfin, c'est quand même quelque chose. Alors, les médias en ont fait tout un tas de temps, regardez, Krupp des dommages. Et ça lui a même fait de la publicité, il a tourné ça à son avantage. Mais quand il y a eu plus de rescapés, on a baissé les sommes. On est passé à 700 dollars et puis à 7500. Et euh, quand il y a encore d'autres déportés qui sont venus, le groupe a dit que voilà, il n'y a plus moyen de faire des paiements volontaires, les juifs avaient coûté trop cher. Voilà, c'est euh, magnifiquement écrit, c'est un bouquin tout petit, tout petit, euh, mais on le lit avec euh, lenteur, avec réflexion, avec, euh, en le savourant, si j'ose dire. C'est vraiment très beau. Un autre livre, euh, pas tout récent, mais j'aime bien, Jean Ziegler, « Le capitalisme expliqué à ma petite-fille euh, ». Jean Ziegler, il a déjà un âge respectable, encore un peu plus que moi, et voilà, il euh, se préoccupe de quelle société il va laisser à ses petits-enfants, et donc il y a un dialogue, des questions-réponses, avec euh, sa fille Zora, et... Un petit extrait. Jean, tu ne penses pas que le fossé entre les très riches et les très pauvres va finir par se combler petit à petit Non, je pense que ce sera même le contraire, répond Ziegler. Dans les pays de l'hémisphère sud, des charniers s'élèvent chaque jour entre les très riches et la masse anonyme des gueux. Les inégalités ne cessent de progresser. Le pouvoir financier et économique des 560 personnes les plus riches du monde a augmenté de 41% entre 2010 et 2015, tandis que les avoirs des 3 milliards des plus pauvres ont chuté. De moitié donc c'est très 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 bien très chouette très court et effectivement très bien pour euh, passer aux enfants euh, maurice lemoine chronique d'une déstabilisation c'est euh, édité par le temps des cerises le chouette éditeur français maurice lemoine le temps des cerises et je vais commencer par euh, la quatrième de couverture, comme on dit, euh, là, ce qui se trouve à l'arrière des, des bouquins, sur quoi en général, quand on va dans la librairie, on, on se décide, j'achète, j'achète pas. Et la quatrième de couverture commence très fort. En octobre 2015, le général Kelly, qui commande l'armée des États-Unis pour l'Amérique latine, déclare, s'il y avait une crise humanitaire importante, c'est-à-dire un effondrement de l'économie, au point que les Vénézuéliens aient désespérément besoin d'aliments et d'eau, alors nous pourrions réagir. Alors la date vous a peut-être échappé, mais je le redis. Octobre 2015, le chef de l'armée US contre le Venezuela. Donc c'est quand même un peu frappant. Ce bonhomme a trois ans d'avance, et Nostradamus, il est capable de prédire qu'il va y avoir une crise des aliments et de l'eau. Au Venezuela. Bien entendu, il l'a prédit parce que ça fait partie de leurs moyens pour la provoquer. Ça, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans mon petit livre USA, les 100 pires citations, avec ce plan euh, anti-Venezuela, euh, anti ce plan de sabotage du Venezuela par euh, l'amiral Tid, successeur de Kelly, qui a effectivement, dans un plan, annoncé comment on allait saboter et mettre à genoux toute l'économie du Venezuela. Pour les obliger, espérait-il, à changer de gouvernement. Je reviens sur Maurice Lemoine, qui écrit euh, de façon superbe. Et le bouquin démarre euh, à la mort de Chavez, le 5 mars 2003. Il décrit euh, les, les derniers mois les, de Chavez, atteint euh, d'un très grave cancer. Il avait été opéré, mais il ne s'en remettait pas. Ce fameux 30 juin 2011, on l'avait découvert, les joues creuses, les joues creuses, pardon, amaigris, fatigués les chimios l'ont rendu méconnaissable, gonflé, bouffi, dilaté, sans cheveux. Ne lui restait que son regard brun foncé, pétillant de malice et de volonté, de désespoir parfois allié de voir interrompre sa tâche la transformation du Venezuela. Et ce terrible jeudi 5 avril 2012, après sa troisième opération, il a supplié. Donne-moi ta couronne, Christ, donne-la-moi que je saigne, donne-moi ta croix, donne-moi sans croix, mais donne-moi la vie. Et bon, je suis allé au Venezuela, j'ai rencontré Chavez, c'était vraiment un homme formidable, était très touchant, un être très très humain. Et euh, quand je lis euh, comment le moine raconte ça, je retrouve vraiment toute l'ambiance, l'atmosphère là-bas. Et. Euh, le moine décrit Chavez a mené sa dernière campagne électorale en 2012 avec les triples cœurs, la ténacité, une énergie des catacombes. Il était malade à crever, mais il a sauté, il a chanté, il a dansé. On l'a entendu dire Je ne suis pas Chavez, je suis tout un peuple. Cette phrase, je trouve magnifique Je ne suis pas Chavez, je suis tout un peuple. C'est-à-dire qu'un dirigeant n'est rien sans son peuple et c'est au peuple à continuer le travail, la mission. Je crois que c'est une graine qu'il a bien semée. Euh, d'ailleurs c'est le moins d'emploi cette graine qu'il était en train de semer insubmersible, le 4 octobre à Caracas il a discouru sous des trombes d'eau on n'avait jamais vu un tel déluge la pluie les enveloppant de tourbillons et de rafales les centaines de milliers de partisans vêtus de rouge l'acclamaient ou à Chavez no se va ou à Chavez ne s'en va pas mais Chavez s'en est allé quand même et euh, le combat continue il y a à signaler aussi un très très beau dossier spécial de la revue du CADTM. Dettes coloniales et réparation. Euh, le CADTM est donc ce Comité pour l'annulation de la dette du tiers monde. Un travail remarquable depuis longtemps déjà. Et c'est donc c'est très très illustré. C'est magnifiquement illustré en fait. C'est vraiment un très très beau travail. Ce sont tous des petits chapitres assez courts sur les origines de la dette coloniale le rapport avec les migrations on n'en parle pas, il y a plein de migrants ici mais les gouvernants belges et français n'expliquent absolument pas que on pille l'Afrique, notamment par la dette et le vol des matières premières bien sûr aussi, et que donc on oblige les gens à partir puisqu'il n'y a plus rien pour développer une économie alors il y a euh, au hasard des pages le poids de la dette en RDC euh... Le Maroc face aux empires coloniaux. Après l'indépendance, la Tunisie a dû s'endetter pour racheter ses propres terres aux colons. L'escroquerie coloniale. On estime que 95% de la ouais, je vais un peu que vous puissiez voir les images. Euh, que 95% de la population autochtone d'Amérique latine a été décimée dans les 150 premières années de la colonisation. 95% de la population d'Amérique latine. Tué par le colonialisme. Et euh, voilà, euh, ça a été préparé pour le CADTM par Robin Delobel. Il y a plein de choses actuelles aussi, euh, très très bien. CADTM, vous allez trouver ça sur Internet facilement. Alors, euh, aux éditions critiques, on a deux petits bouquins attribués à. Qu'on doit à Rémi Herrera, le premier en coécrit avec un chinois, Ming Long. J'espère que ma prononciation, ça va. La Chine était le capitaliste. Ça se dit beaucoup, mais comme je le disais précédemment, beaucoup de gens parlent sur la Chine et n'ont rien lu sauf ce qu'on nous dit dans nos médias. Et donc la question est simple pourquoi est-ce que les médias occidentaux. Souvent aux mains de milliardaires ou souvent influencés par les grandes multinationales, irait dire du bien d'un pays qui veut justement installer un autre système économique. Alors, vous pensez ce que vous voulez de Pékin et des communistes, mais il faut en tout cas s'informer, se renseigner. Et il y a un passage intéressant, juste une petite phrase. Euh, le socialisme de marché à la chinoise, le fait qu'il y a effectivement une réintroduction du capitalisme avec parfois des effets négatifs et des firmes très puissantes, cette réintroduction du capitalisme décidée par le parti communiste repose en effet, indique Herrera et son collègue, sur le maintien d'un puissant secteur public. Ça, on nous dit jamais qu'il y a des entreprises publiques très importantes dans tous les secteurs clés dont le rôle, disent-ils, est tout à fait stratégique pour l'économie. Tout porte à croire que c'est là une des explications essentielles des bonnes performances de l'économie chinoise, n'en déplaise aux idéologues nés et aux libéraux qui prônent la généralisation de la propriété privée et du profit individuel maximum. Voilà, c'est euh, très lisible, il y a des chiffres mais toujours bien expliqués, il y a des notions mais elles sont expliquées, c'est un petit bouquin aussi. La Chine était le capitaliste, voilà, pour... Euh, ne pas dire trop de bêtises et savoir un peu ce qu'on en pense de l'autre côté. Euh, aux mêmes éditions critiques, avec Herrera et quatre autres économistes du, venus de différentes régions du monde, le capitalisme face à son déclin, euh, une nouvelle géopolitique, l'évolution du capitalisme, est-ce qu'il peut se sauver Sur ce thème-là, est-ce que le capitalisme peut se sauver un chouette bouquin euh, publié aux éditions Delga, qui font de très très bon travail. Ça s'appelle L'autre voie pour l'humanité. Cent intellectuels s'engagent pour un post-capitalisme. C'est arrivé récemment. Je n'ai pas encore eu le temps de lire toutes les contributions. Il y en a deux trois qui m'ont beaucoup frappé, euh, notamment de Bruno euh, Dv Dvresky. Euh, jamais selon les enquêtes d'opinion en France et ailleurs, dit-il, le capitalisme n'a joui d'un tel manque de confiance alors que ce que Marx avait annoncé dans le manifeste du Parti communiste en 1848, donc, se vérifie. Et voilà, euh, il explique qu'on a, a de moins en moins confiance, les nouvelles générations ont de moins en moins l'espoir que ça ira mieux pour leurs enfants. Et donc, comment est-ce qu'on est dans un tel désarroi, dit-il, alors que même les défenseurs du capitalisme reconnaissent que ce système est arrivé dans une crise structurelle dont il n'arrive pas à sortir. En fait, écrit Dreski, si le système dominant continue à exercer et a même réussi à renforcer son hégémonie culturelle, ce n'est plus à cause des valeurs positives qu'il a promues depuis la naissance du capitalisme c'est uniquement parce qu'il a réussi à convaincre qu'il n'y avait plus aucune alternative et donc là, dreski analyse pourquoi une alternative existe bel et bien et qu'il va falloir y réfléchir et y penser et pour sortir de cet état d'hébétude dit-il il faut se remettre à l'étude de scientifiques de l'histoire du socialisme pour voir ce qui a été le passif, mais aussi le positif, les progrès, les avancées, dont évidemment on ne nous informe pas. C'est une première tentative, donc il faut faire mieux. Il essaye d'analyser ça. C'est très très court, toutes les contributions sont très courtes. Et donc, euh, il pose la question, voilà, comment euh, il insiste sur l'importance de la bataille pour Internet et du refus des lois des censures. Par exemple, on est aujourd'hui, dit-il, dans un chantage au terrorisme qui terrorise les populations. Ça doit être pris en main avec lucidité. Il faut poser les bonnes questions. Qui finance les terroristes Qui produit et leur vend les armes qu'ils utilisent Pourquoi les puissances impérialistes refusent d'attaquer les paradis offshore qui collectent l'argent des guerres et de la drogue et qu'elles protègent en fait Et il faut être convaincu, dit-il, que nous sommes capables de prendre le contrôle de l'économie et des administrations. Il faut croire qu'on a le droit de s'approprier collectivement ce qui ne profite qu'à une petite minorité stérile d'oisifs. Total, Tasso, EDF, Peugeot, Général Electric, France Télévisions, BFM TV, etc. Je crois effectivement que c'est des réflexions très utiles. Il y a un, un passage, une contribution de Rémi Herrera aussi, justement, dont on vient de parler. La probabilité d'une aggravation de la crise du système capitaliste est très forte, très probable. Le capitalisme est en danger. Mais depuis les années 30, il s'est doté d'institutions et d'interventions étatiques lui permettant de gérer ces crises et d'amortir leurs effets dévastateurs, tout au moins au nord. Effectivement, on reporte les effets de la crise en Europe et aux États-Unis sur les pays du Sud. Exactement ce que disait Ziegler l'autre jour dans l'autre bouquin. Vous avez encore Charles O'Harault, un syndicaliste, qui, Investir Action, a aussi publié aussi Combattre le capitalisme, comment Voilà, une série de contributions intéressantes. L'autre voie pour l'humanité. Euh, on a encore un livre de Michel Rimbaud aux éditions Glyph, Les Guerres de Syrie. Là aussi, il y a vraiment besoin de réfléchir sur ce que on, on ne nous dit pas par rapport à cette guerre. Pensez ce que vous voulez de la Syrie, de Bachar al-Assad, etc. Mais il faut en tout cas se renseigner, comme disait Gramsci, se mettre dans la peau des adversaires et voir ce qu'ils ont préparé. Et le bouquin de Michel Rimbaud, c'est un ancien ambassadeur français en poste au Moyen-Orient, il connaît bien ce dont il parle, à la différence de beaucoup de journalistes, et il remonte au plan Odette Yinan, qui est un plan d'un stratège israélien en 1981, et il cite ce plan qui permet de comprendre énormément de choses qui se sont passées en Syrie et aussi en Irak. Et je vais lire un extrait, c'est vraiment intéressant. Le plan, donc, des stratégies israéliens, ça a été fait pour le Premier ministre. Hein, ce n'est pas un obscur petit penseur dans un bureau, dans un coin. C'est fait pour le Premier ministre. « La dissolution du Liban en cinq provinces, dit ce plan, doit servir de précédent pour tout le monde arabe, Égypte, Syrie, Irak et péninsule arabe. La dissolution de l'Irak et de la Syrie, en air distinct par ethnie ou religion, comme dans le cas du Liban. On est justement dans la guerre qui a déchiré le Liban et l'a fait exploser euh, en 80-81. Elle est l'objectif premier d'Israël sur le front oriental. Quant à la Syrie, elle sera dépecée, divisée en différents États en fonction de sa structure ethnique et religieuse, comme aujourd'hui au Liban. L'Irak, poursuit le plan, riche en pétrole et divisé à l'intérieur, est le principal candidat. Pour être dans l'avenir le berceau des intérêts d'Israël, sa désintégration est encore plus importante pour nous que celle de la Syrie. En Irak, on peut réaliser une division en provinces sur une base ethnico-religieuse comme en Syrie. Trois États au moins existeront centrés autour des trois principales villes Bassora, Bagdad et Mossoul. Tout ça, ça se réalise. La Syrie, ça se réalise. Voilà euh, un plan euh, qui permet de comprendre ce que on a. Euh, pourquoi? En fait, la guerre de Syrie a été programmée depuis très longtemps. Je signale encore deux autres bouquins. L'humanité en péril de Fred Vargas, c'est une auteure de polar que j'aime beaucoup avec des personnages assez atypiques. Et là, elle sort un bouquin, L'humanité en péril, pour montrer justement les responsabilités du capitalisme industriel dans la pollution et l'urgence de chercher une autre solution. Euh, très chouette aussi euh, un roman photo. Qui est euh, réalisé par Vincent Jarousseau, Les Racines de la Colère. Il est allé à Denain, il est allé à la rencontre, à la rencontre des pauvres et des marginalisés, les gens que, avec qui Macron ne va jamais parler et qui ne peut jamais comprendre. Et il met en roman photo euh, le ressentiment, la colère, les frustrations de ces, euh, ces gens-là. Je vais regarder une seconde les interventions que vous avez faites sur certains euh, bouquins. Et euh, sujet. Voilà, un petit remerciement. J'ai lu tous vos bouquins, j'ai adoré et pris un plaisir sans nom. Merci. Euh, je viens de vous commander trois livres, j'ai hâte et sans citation. Merci. Euh, Auriez-vous des références sur le Rojava Comment les femmes kurdes écoféministes libertaires organisent leurs vœux on n'a pas un bouquin, mais il y a un article de Le Normand sur notre site et je suis assez sceptique sur le fait que les États-Unis utilisent les Kurdes, y compris avec des, euh, des présentations de gauche, pour... continuer leur ingérence pour faire éclater la Syrie et d'autres pays du Moyen-Orient. Je pense qu'il faut faire oui à une oppression des Kurdes, mais il faut relier tout ça au plan non seulement des Israéliens, mais aussi des États-Unis, pour faire éclater les différents États du Moyen-Orient qui les dérangent. Quand allez-vous nous décortiquer ce qui se passe en Algérie On l'a fait euh, avec euh, une émission Michel Midi que je vous recommande de Saïd Bouamama. Et euh, on a un projet aussi. Hein, Inscrivez-vous à notre newsletter. On a un projet. J'en ai parlé par mail avec Saïd Boumama prochainement. On va essayer de faire encore un débat. Votre opinion sur le pétrole du Sénégal serait très intéressante. Bien, je passe justement à nos bouquins, le pétrole du Sénégal et l'Afrique en général. Les bouquins d'investigation, nous avons le manuel stratégique de l'Afrique en deux tomes, euh, couverture féminine pour le tome 1 et masculine pour le tome 2. Et là, c'est une nouvelle collection dans Investigation. C'est un très, très beau travail de notre jeune David qui a fait. Oui, je vais le mettre un petit peu plus haut si je vais avoir une chance que vous puissiez voir quelque chose. Et c'est un très, très beau travail qui a. C'est une collection de manuels illustrés. Donc, c'est cartonné, c'est costaud. Et on essaye d'amener un contenu très profond sur la géostratégie de l'Afrique, que font l'Europe et les États-Unis là-bas, comment euh, ils s'arrangent pour diviser les populations, comment ça se fait que le continent le plus riche est le plus pauvre. Et on a essayé de le faire d'une manière qui permet justement de le proposer aussi aux jeunes, aux travaux scolaires et à tout un public plus large. Saïd Boumama, deux tomes, le manuel stratégique de l'Afrique. Sur l'Afrique toujours, on va parcourir maintenant par thème, par région. On a euh, l'ascension de Mobutu de Ludo De Witt, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature. C'est un travail d'historien méticuleux. Il a euh, approfondi toutes les archives euh, des États-Unis, de la Belgique, du Congo pour montrer que en fait la dictature de Mobutu et l'assassinat de Lumumba qui l'avait précédé ne sont pas tombés du ciel mais ont été un plan de la Belgique et de la CIA pour empêcher le Congo de donner l'exemple d'un pays qui se libère et qui devient vraiment autonome aussi sur le plan économique ça c'était un mauvais exemple et donc on a délibérément assassiné Lumumba ça c'est très très important de le faire savoir le bouquin de Ludo De Witt est irréfutable. Récemment, en Belgique, on a publié les mémoires de Steve Davignon, qui est un homme politique et un homme d'affaires belge de la pire espèce, qui a vraiment euh, commencé sa carrière justement en tant que conseiller du ministre des Affaires étrangères belge en aidant à l'organisation de l'élimination de Mumba. Il se défend, il a démenti, mais Ludo De Witt, je lui ai demandé de nous mettre sur Internet. Euh, la réponse à Steve Davignon et à ses mensonges la Belgique est bel et bien coupable pour cette dictature et c'est une leçon historique très très importante. Sur le thème de l'Afrique, on avait publié aussi Chasseur de matières premières de Raf Custers, un journaliste belge d'investigation qui a été voir comment ça se passe concrètement le pillage par les multinationales. On a également Gbagbo contre la France Afrique. Ça, c'est une commission d'enquête que j'ai le plaisir d'animer à Paris en 17. Avec 17 témoignages d'Ivoiriens, de Français, sur, y compris d'un porte-parole de l'armée française, sur la, la, le coup d'État et l'agression de Sarkozy et compagnie contre Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Ça, c'est sur l'Afrique. Alors, on a eu euh, une question aussi sur quel bouquin par rapport aux médias. Ben là, je pense qu'on a eu la chance de pouvoir rééditer dans une bonne traduction, correcte, rétablie et avec tous les compléments qui avaient été sucrés dans une version précédente, le bouquin à mes yeux le plus fondamental sur l'analyse des médias, Chomsky et Herman, qui est décédé il y a un an et demi malheureusement, et qui était l'auteur central du bouquin, ça Chomsky le dit toujours, la gestion politique des médias de masse c'est une, euh, analyse de comment fonctionnent les médias et pourquoi ils ne disent pas la vérité sur les conflits internationaux, mais on peut euh, transposer. Euh, voilà, fabriquer un consentement, ça a été euh, traduit par Dominique Arias, qui a fait un travail euh, énorme pour arriver à traduire ça fidèlement et qui s'est battu ensuite pour que la traduction soit bien rétablie. Euh, sur l'Amérique latine, dont on a un peu parlé, j'ai fait il y a quelques années, les péchés d'Hugo Chavez pour expliquer pourquoi l'Amérique latine était pauvre, pourquoi le Venezuela était pauvre et comment Chavez s'y est pris pour changer tout cela et rendre l'espoir à son peuple. C'est pour ça qu'on a essayé de l'assassiner, c'est pour ça qu'on multiplie les coups d'État contre Maduro et c'est pour ça qu'il y a vraiment besoin de s'informer d'être solidaire. Les sept péchés d'Hugo Chavez, je ne sais pas s'il est encore sur le site, mais on, parce qu'il est en voie d'épuisement. Mais on a encore quelques, quelques exemplaires, donc si vous ne le trouvez pas sur le site, vous écrivez via le site et on s'arrangera pour vous faire parvenir ces exemplaires. Alors, un thème important chez nous, c'est Israël, bien entendu. On estime que la Palestine, c'est défendre les droits des Palestiniens, c'est vraiment un enjeu stratégique par rapport à la bataille contre le colonialisme qui ne veut pas mourir et par rapport à la domination des États-Unis. Sur le Moyen-Orient, sur le pétrole et leur rôle de gendarme du monde. Donc, euh, démasquer Israël, c'est pour nous euh, une mission fondamentale. Rien à voir avec le racisme. Évidemment, euh, le lobby et le gouvernement israélien essayent de faire croire que c'est parce qu'on n'aime pas les juifs qu'on publie des livres contre eux et qu'on fait des débats. Rien à voir. Les, je donne la parole à des juifs, notamment dans mon livre Israël, parlons-en. Il y a plusieurs auteurs juifs et des auteurs israéliens qui disent exactement la même critique. Euh, ce livre-ci, c'est donc 20, 20 entretiens euh, pour rassembler le meilleur de ce qu'il faut savoir quand on veut discuter et convaincre les gens autour de soi, ce qui n'est pas facile. D'ailleurs, à la fin, il y a une méthode avec quatre conseils pour parler des sujets difficiles. On a publié ensuite Israël, la propagande d'Israël de Ilan Papé un très courageux historien et auteur israélien qui est réfugié maintenant en Grande-Bretagne et qui explique comment fonctionne l'appareil de propagande israélien, comment il s'y prend pour euh, tromper l'opinion publique et la manipuler. Toujours penser à cette phrase de Gramsci, si tu veux mener un combat pour la justice, ben il faut connaître tes adversaires. Alors, j'ai cité tout à l'heure comment savoir comment il pense. J'ai cité tout à l'heure Thomas Suarez, comment le terrorisme a créé Israël. J'ai eu une émission avec lui la semaine passée qui vous a beaucoup intéressé, donc je ne détaille pas. C'est basé sur les propres archives des terroristes sionistes, tous les attentats, les massacres des civils, des centaines de massacres, des attentats à la bombe commis par euh, le mouvement terroriste pour imposer Israël. Et comme état raciste, comme état d'apartheid. Ce qui est très intéressant, c'est que Thomas Suarez a bien expliqué la semaine passée, une grande partie des attentats euh, commis par les terroristes des euh, mouvements sionistes étaient des attentats contre des juifs qui ne voulaient pas d'un état raciste en Palestine. Et donc, ça, il faut le faire savoir, parce qu'Israël n'arrête pas de se présenter comme le défenseur des juifs. Non, il en a massacré chaque fois que des juifs sont contre les projets des sionistes, ils les ont massacrés dans toute la période 1936-1948. Voilà. Euh, sur le thème des géostratégies, euh, ça c'est évidemment un thème assez central dans Investigation, la stratégie du chaos, où euh, Grégoire Lalieu, mon jeune collègue d'Investig, et moi, avons fait des entretiens avec Mohamed Hassan. C'est un livre qui a déjà plusieurs années, mais on l'a écrit dans l'idée qu'il puisse durer 20 ans. Et ça se confirme, il se fait, il est régulièrement acheté. En fait, on passe en revue, il ouais, est trop petit, vous n'allez pas pouvoir le lire, je vais vous donc vous dire un peu la table des matières. On passe en revue les principaux pays de ce qu'on les stratégies des US appellent l'axe euh, islamique c'est-à-dire l'Égypte, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, la Tunisie, la Libye, l'Afghanistan, le Pakistan, le Yémen, Oman, la Somalie, le Soudan et l'Érythrée. Donc tous des pays musulmans ou avec une composante musulmane, beaucoup centrés autour de l'océan Indien, ça j'en ai déjà parlé, qui est la clé de la bataille stratégique États-Unis contre Chine. Et là, Mohamed Hassan analyse ce que le colonialisme européen a fait dans ces pays, dans quel état il les a laissés diviser pour régner, bien entendu, et ce que les États-Unis sont en train d'essayer de faire maintenant. La stratégie du chaos, euh, avec Mohamed Hassan, sur le même thème, euh, Grégoire Lalieu tout seul avait fait Jihad Made in USA à propos de l'analyse de ce qu'on appelle le mouvement islamiste, mais c'est un concept fourre-tout et l'analyse en fait des différentes composantes politiques et autres et du rôle que les États-Unis ont eu par rapport à ce mouvement islamiste et la manière dont ils l'ont utilisé Djihad Made in USA avec une couverture choc évidemment sur le même thème du monde arabe Ahmed Ben Sada avait fait Arabesque enquête sur le rôle des États-Unis dans les révoltes arabes il montre comment les États-Unis n'ont pas programmé et organisé les révoltes en Tunisie et en Égypte, mais comment ils ont, les ont préparés, anticipés pour justement les récupérer, empêcher qui ait des leaders trop révolutionnaires qui viennent là et que leur mainmise sur le pays, que le, ces pays échappent à leur mainmise. Il y a des passages très très intéressants sur comment la CIA a formé les jeunes qu'on a présentés comme des euh, leaders spontanés issus de la base et qui en réalité avaient été formés dans les environs en Europe par la CIA. Et il y a des passages très intéressants sur le rôle de Google, Facebook, YouTube et Twitter liés au département d'État et à la CIA pour justement servir les intérêts des États-Unis dans cette région. Sur le thème des liens entre les États-Unis et le terrorisme, j'avais fait... Je suis ou je ne suis pas Charlie, qui parle de Charlie, qui parle de la question de l'islamophobie et du racisme en Europe, mais la partie centrale, c'est l'histoire du, du lien, de l'organisation en fait du terrorisme islamiste par les États-Unis. Ça a commencé avec Ben Laden en Afghanistan, et puis comme ça marchait bien, ils ont réutilisé l'arme en euh, Yougoslavie, dans le Caucase, en Libye, dans une série d'autres pays euh, c'est vraiment devenu l'armée de rechange des États-Unis, financée par les SAO des compagnies, ça coûte beaucoup moins cher, la CIA derrière pour organiser dans les coulisses, et ces jeunes manipulés ne se rendent absolument pas compte, euh, y compris, voilà, on explique pourquoi les attentats en France et en Belgique. Sur la stratégie des États-Unis, on avait fait aussi le monde selon Trump, qu'on a sorti directement après son élection, pour essayer de prévoir qu'est-ce qui allait se passer. Pourquoi Trump avait été élu et comment, en fait, il y avait une division profonde, un désarroi dans les États-Unis. Ça se confirme et l'affaire Trump, ce n'est pas fini, donc je crois que c'est intéressant pour le comprendre. On a publié récemment La peur, arme politique de Robert Charvin. Le sous-titre vous explique bien Gouverner, c'est faire peur et rassurer. Gouverner, c'est faire peur et rassurer. A... J'aime beaucoup ce bouquin, il est tout petit. Euh, mais là aussi, il faut le lire attentivement, calmement, bien réfléchir, prendre des notes, ça je recommande toujours. Euh, il montre comment les gouvernants, les élites, les gens qui exploitaient le travail des autres, ont toujours travaillé à faire peur. La peur, en fait, est un instrument fondamental de domination pour briser les résistances, pour diaboliser ceux qui résistent et pour diviser en cherchant des boucs émissaires et donc ça se fait aujourd'hui et on évidemment, regardez tout ce qu'on a fait contre les gilets jaunes mais ça se fait d'une manière plus subtile et en regardant comment ça s'est fait hier on comprend mieux comment ça se fait aujourd'hui donc je crois que c'est un bouquin vraiment très utile pour les, les combats d'aujourd'hui de Robert Charvin nous avions aussi publié Faut-il détester la Russie vers une nouvelle guerre froide on est toujours dedans analysant les mythes de la propagande et la diabolisation de la Russie. J'en viens à deux livres. Un, on m'a demandé euh, ce que je pensais des ouvrages de euh, monsieur Laibi à propos de Soral. Euh, ben Sincèrement, pas grand bien. J'ai parcouru ça. J'ai trouvé que ça, il y avait beaucoup de ressentiments personnels, mais pas tellement d'analyse sérieuse. Donc, ce n'est pas l'analyse que j'ai que moi. Euh, Développer. Je pense que c'est important d'analyser Alain Soral. Je l'ai fait en relisant deux ou trois fois son livre Comprendre l'Empire, qui est un peu sa Bible, si j'ose en plus cette comparaison. Et j'en ai donc sorti euh, pourquoi Soral séduit. Euh, là, je dois faire un petit peu une autocritique. Je m'occupe beaucoup euh, des titres et des couvertures de, des livres d'investigation. En général, on est assez content de ce qu'on a fait. On essaye d'attirer, d'accrocher l'attention. Bon, là, je peux dire, c'est la couverture la plus moche que j'ai préparée pour Investir Action, avec des couleurs qui font un peu peur, et, et surtout un titre qui donne l'impression qu'on va parler uniquement de Sora, alors que c'est le point de départ. Et le vrai titre du livre aurait dû être Ma vision du capitalisme ou Ma vision de la société actuelle. Parce que j'y analyse là ce bouquin à mes yeux assez fondamental. On m'a dit tu devrais le rééditer sous un autre titre. Bon, ça ça se fait pas. Mais euh, c'est un livre fondamental sur comment fonctionne le capitalisme. Qu'est-ce que c'est l'exploitation? D'où proviennent les crises? Euh, pourquoi le capitalisme a donné naissance à utiliser tellement le colonialisme? Pourquoi le capitalisme provoque tant de guerres? Et les questions des classes sociales et de la résistance. Sur tout ça, je suis en désaccord à fond avec un insoral, et donc, je sais que beaucoup de gens sont venus à la réflexion et à l'action politique à partir de ces réflexions et de ces textes ou surtout de ces vidéos, tant mieux, mais je pense qu'il emmène les gens dans une impasse, une impasse raciste, une impasse Front National, une impasse qui aussi réhabilite Hitler, et donc ça, on se trompe complètement, donc il n'y a vraiment pas une analyse sérieuse du capitalisme. C'est pour ça que je lui avais proposé un débat public pour que les gens puissent se faire leur opinion, mais il n'a pas été assez courageux pour accepter ce débat. Donc, je crois que c'est bien si les gens qui s'intéressent à, non seulement à lui, mais à l'ensemble du système capitaliste peuvent lire euh, le sous-titre, aurait dû être le titre, hein, tout en bas, pour une véritable critique du capitalisme. Voilà comment il aurait fallu le titrer. Alors, pour parler de mon petit euh, dernier que j'ai montré de temps en temps, euh, USA, les 100 pires citations. Évidemment, quand on écrit un livre, euh, ben c'est comme si on a beaucoup d'enfants. Euh, on, on aime chacun de ses enfants, évidemment tous, mais le petit dernier, on a toujours un petit peu euh, un faible. Et euh, celui-ci, euh, j'y tiens spécialement. Pourquoi Parce que... L'idée, c'était de vous fournir un bouquin qui est à la fois une analyse fondamentale sur comment s'organise, quels sont les objectifs et surtout les méthodes des, euh, de la politique internationale des États-Unis. Mais dès qu'on critique les États-Unis, on est toujours accusé de complotiste. Donc, je l'ai fait avec une méthode spéciale. Euh, on donne la parole chaque fois à un président ou un stratège, ou un ministre, ou un général des États-Unis. Vous avez Brzezinski, vous avez Reagan, vous avez Bill Clinton, vous avez Obama, Rumsfeld, Bush, Wolfowitz, vous avez des gens très connus, et d'autres moins, mais qui sont peut-être encore plus importants parfois. Et donc, chaque fois, il y a la citation, la bio de qui parle, et un petit commentaire de contextualisation pour comprendre le contexte historique, pour comprendre quelles étaient le, les, les circonstances qui expliquaient cette politique des États-Unis. Je l'ai fait de manière... Bon, c'est un petit bouquin, c'est très court, ça se lit relativement vite, on peut lire par morceaux. Je l'ai fait dans l'idée de justement permettre à chacun non seulement d'étudier pour soi-même, mais aussi de débattre et de discuter autour de vous. Ça, je trouve que c'est fondamental. Euh, les livres, si ça ne se partage pas, ça ne sert à rien. Et... Je crois qu'un livre sert à se former et il sert à se préparer à débattre. Et c'est quelque chose que, qui nous manque vraiment beaucoup euh, maintenant. Je parlais au début de Facebook, d'Internet. On sait, on comprend qu'il y a un piège de s'enfermer dans une bulle et de parler seulement avec les gens avec qui on est plus ou moins d'accord. Et donc, je crois que les livres peuvent permettre d'échapper à ce piège et que. Il faut les utiliser vraiment. Il faut essayer de discuter autour de vous. Il faut, voilà, et dans ce format-là, ça se met en poche ou dans un sac. Et on peut, quand on a une discussion avec quelqu'un, lui dire, tiens, mais est-ce que tu savais ça Et jouer un peu sur l'effet de surprise et réfléchir ensemble, tiens, mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça Ça contredit tout ce que les médias racontent. Voilà, j'espère que ça pourra vous être utile dans ce bouquin, dans votre pratique, je veux dire, que ces bouquins pourront vous être utiles. Euh... Je regarde euh, s'il y a d'autres questions, des commentaires euh, sur tout ceci. Michael, va falloir que je fasse une pièce dédiée à la lecture. Ça pourrait servir aux enfants aussi. Je ne peux pas pousser les murs. Va falloir réfléchir. Ben oui, tout à fait, effectivement. Je crois qu'une pièce euh, où la télé ne domine plus, mais où on peut se poser, réfléchir et euh, c'est euh, c'est vraiment utile. Je crois que les bouquins, ça reste absolument fondamental. Il faudrait aussi, je crois, essayer de, de créer des cercles de lecture pour lire à plusieurs, quand c'est un peu compliqué, réfléchir à plusieurs, voir comment utiliser des bouquins. Je crois que les gens ont besoin d'échanger entre eux le tout à la télé, les supermarchés, la bagnole, etc. C'est un mode de vie individuel. On a besoin d'être beaucoup plus en collectif et voilà si action avait des moyens je crois qu'on aiderait à, à faire ça euh, voilà des suggestions euh, voilà je vais prendre congé de vous pour travailler sur mon prochain bouquin j'ai encore deux trois choses à montrer parce qu'on me demande oui il y a des gens qui sont sur l'émission mais qui connaissent pas bien le site et qui savent pas où commander euh, les bouquins euh, on me demande mon avis sur Youssef Indy. Je n'ai pas lu ces livres, donc je n'ai pas d'avis, mais vous pouvez m'envoyer des choses, on verra bien. Euh, et donc, puisqu'on me demande comment euh, se procurer les bouquins, vous pouvez les trouver bien entendu en librairie. Si vous ne les avez pas, vous demandez à votre libraire et vous dites qu'ils sont distribués en Belgique par Sodil et en France par Interforum mais euh, ils ont euh, des, euh, des programmes informatiques qui leur permettent de trouver tout ça dès que vous avez le titre. Euh, pour les trouver sur le site Investiaction, ce qui est bien parce que les bouquins servent aussi, euh, les bénéfices des livres servent à payer les salaires des jeunes journalistes et là on en a grand besoin, vous allez donc sur notre site, que voici, investiaction.net. Vous allez sur la droite dans cette rubrique, vous cliquez Livres et DVD, et là vous trouvez euh, le shop, comme on dit, vous pouvez les acheter. Et euh, comme on sait que vous allez avoir du temps, mais que votre portefeuille n'est pas élastique, on a fait une petite promo avec 10% de réduction sur tous les titres récents et 50% sur toute une série de titres anciens. Donc voilà. Euh, si vous avez euh, du mal à trouver quelque chose, écrivez-nous sur l'adresse que je vais vous dire tout après. Et avant de prendre congé et de vous donner rendez-vous pour début septembre, je dois euh, signaler qu'on fait aussi, puisque je parlais du papier, ben, on fait un journal en papier, c'est-à-dire que le meilleur de, du Grand Soir, le site français euh, excellent et de investigation se retrouve... En papier qui vous est envoyé euh, mensuellement. Vous pouvez vous abonner et arrêter votre abonnement quand vous voulez. Vous payez au numéro, en fait, c'est très simple. Et euh, vous trouvez ça sur le site aussi comment euh, s'abonner. L'autre info à investi-action.org. Euh, J'ai dit précédemment que Investi-action en fait ses 15 ans et là, euh, J'aimerais vous demander de continuer à nous soutenir parce que, voilà, on a, moi j'ai fondé Investi Action en 2004. Euh, il y a eu toute une série de renforts avec le temps, il y a eu toute une évolution. Et au final, Investigation, c'est euh, 10 000 articles, euh, 20 livres dont on vient de parler, une centaine de vidéos, des reportages de terrain sur l'Irak, la Yougoslavie, la Libye, la Syrie, le Venezuela. C'est maintenant cette émission Michel Midi que vous regardez. C'est aussi l'organisation de grands débats publics sur des sujets qui fâchent. Donc c'est 15 années de résistance aux censures, aux diabolisations. Et vous jugez ça utile à vos combats puisque vous êtes 140 000 à nous suivre sur Facebook. Donc on peut être fier d'avoir résisté, mais c'est pas assez. Et clairement aujourd'hui, la peur des migrants joue un rôle clé dans les campagnes de haine et de division. Et donc Investir Action doit faire entendre encore davantage son message. Qui fabrique ces millions de migrants, les guerres et les pillages organisés par les gouvernements. Donc, il nous faut plus de reportages sur ces lieux de conflit, plus de livres expliquant les causes profondes, plus de vidéos qui touchent les publics larges, plus de présence aussi sur les réseaux sociaux pour la bataille des idées. Donc, Investigation doit encore grandir et pour nous aider. Euh, en faisant des dons ponctuels ou si possible mensuels, peu importe le montant, euh, 5, 10 euros, moins, plus, euh, c'est selon vos besoins, mais tout ça est utile pour engager de nouvelles personnes. On a vraiment besoin. Là, euh, je, suis, euh, je dois m'occuper de toute une série de choses qui m'empêchent de faire avancer mes livres. Je vais pouvoir le faire seulement pendant les vacances, mais on a besoin vraiment de votre aide. Pour nous aider, vous pouvez contacter ma collègue Federica. Uh, federica, at investi, federica, comme ça se prononce, at .net. Et uh, je voudrais aussi faire appel uh, les sous pour engager d'autres personnes et développer notre travail, c'est uh, bien, mais on sait bien qu'on ne va pas s'en sortir uniquement comme ça, et donc on a besoin aussi de gens pour nous aider pour toutes sortes de boulots. Lecture, traduction, relecture, correction, vidéo, informatique, administration, secrétariat, la comptabilité, il y a toute une série de choses. Vous ne vous doutez pas, euh, il y a bien une vingtaine de métiers qui sont derrière Inici Action, Pas possible pour moi, évidemment, d'engager des gens pour faire tout ça. Et donc, on a besoin aussi de vos coups de main en bénévolat euh, pour euh, quelques heures par semaine, par mois, comme vous le pouvez, quand vous pouvez. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir continuer à développer à investir, à action, et à vous euh, continuer à vous servir dans la bataille de l'info. Voilà, j'étais un peu long aujourd'hui, c'était la dernière, il y avait beaucoup à vous euh, dire, merci pour les remerciements que vous nous donnez, euh, merci pour les encouragements, on va continuer la bataille avec vous, et là bon, je vais pouvoir envoyer, enlever ces horribles lunettes rouges et vous dire merci, bon été, bonne lecture et à bientôt début septembre sur le site InvisiAction. action.